À cette étape, je suis vraiment content pour toi. Préparer un compromis signifie que tu as trouvé ton bonheur. Alors félicitations. Et à vrai dire, ça me ferait sincèrement plaisir si tu m'en parlais en commentaire. Maintenant, avant le rendez-vous chez le notaire, il faut préparer un dossier. Rapport à ta crédibilité, si tu vois ce que je veux dire. Tu peux préparer ce dossier simplement en cliquant sur le lien que je te mets dans la description. Si tu es accompagné par un agent, laisse-toi guider. Normalement, il s'occupe de tout. En revanche, et je vais me faire des ennemis en te disant ça, fais-toi encadrer par ton notaire. Il ou elle ne te coûte pas plus cher et sécuriseront ton achat. Traditionnellement, dans le métier, on dit que le notaire du vendeur tient la plume et que le notaire de l'acheteur tient la bourse. Il est donc tout à fait possible et même recommandé d'avoir deux notaires. Une bonne astuce avant de passer chez le notaire, clique ici. Tu veux savoir ce qui se passe après? Je t'invite à cliquer là.